Alors, on revient sur le plateau pour la seconde partie de l'émission et nous accueillons Rodrigue Gaïgo, correspondant au Togo de Radio Canal K Suisse. Rodrigue Gaïgo, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous mes collègues et mon cher ami Pasteur. Ici, toutes mes excuses. Et moi, je suis ton cher ennemi. Non, j'ai dit mon cher ami, mon cher pasteur. On était sur le Madagascar avant votre arrivée. Un mot sur cette pléthore de candidatures. Oui, vous savez, quelque part, on peut l'appeler signe de démocratie. Comme quoi, tout le monde peut aspirer à gouverner son pays. Mais au même moment, c'est un danger parce qu'il faut se poser une question. Tous ces 36 candidats, ces 46 finalement pèsent quoi financièrement? Ils pèsent quoi? Alors, s'ils sont déjà riches, que cherchent-ils en allant, par exemple, via la magistrature suprême? Soit une protection pour un crime économique qui n'est pas encore exposé. Parce que quand on est riche à un niveau donné, on sait que la source de provenance vraiment de cette richesse n'est pas... Des fois, on cherche aussi la protection. Soit on est derrière un président, ou soit carrément, on cherche à devenir président pour ne serait-ce qu'avoir au moins 5 années de passeport d'immunité. Et puis, on aura le temps d'effacer l'ardoise, voir si entre-temps, ça peut quitter le noir pour devenir blanc. Maintenant, d'un autre côté, ça pose un petit problème. Quand on prend même la population malgache aujourd'hui, est-ce que c'est une population qui peut vraiment se retrouver? Parce que sur les réseaux sociaux, les gens s'embrouillent. Il y a forcément des candidats qu'ils ne connaissent pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple, dire « Ok, c'est un citoyen, il peut arriver. » Mais pour ces anciens présidents qui s'agitent encore autour de la chose, ça fait également poser des questions. Est-ce qu'aujourd'hui... président de la République est devenu une profession, on doit ouvrir franchement une école pour ça, parce que les gens doivent comprendre qu'il faut quitter une étape pour une autre. Être président, ce n'est pas la fin de la vie. On peut faire, par exemple, autre chose. Mais quand on s'accroche, vous voyez, par exemple, tout l'engouement qu'il y a autour de la chose, c'est forcément, ça miroite un intérêt, quelque part, caché, qu'on ne cerne pas du tout. Mais seuls ceux qui postulent se retrouvent dans ce qu'ils cherchent. Ce qui sera fondamental, c'est que dans tous ces candidats, quel est le projet proposé? Quels sont les défis? Parce que je sais qu'au cas Madagascar, il y a des défis à relever. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? D'un autre côté, vous savez aujourd'hui que quand on est au voisinage immédiat avec l'océan, il y a aussi de cette puissance sur le plan international qui cherchent leur population ou leur superficie, à élargir leur superficie géographique. Et donc, avec le voisinage de l'océan, il y a les défis d'insécurité, de terrorisme, les gens cherchent à implanter des bases militaires et donc suscitent des candidats dans certains de ces pays-là. Parce que si lui, il vient, on a par exemple la même mise sur les côtes. D'accord. Et on peut faire ce qu'on veut. Donc, il y a autant de questions que moi je me pose. Mais si tant est qu'on pense qu'à 46, OK, on a tous quelque chose de positif à apporter pour le développement des populations malgaches. Mais pourquoi pas? C'est de bonnes guerres. On va changer maintenant de sujet. On passe au Zimbabwe. L'opposition croit encore en l'annulation de l'élection du président Mnangagwa. L'opposition donc a demandé mercredi à la Cour constitutionnelle d'annuler l'élection du président sortant Emmerson Mnangagwa en dénonçant des fraudes et des irrégularités, des manipulations catégoriquement démenties par le camp du vainqueur. Au terme d'une longue journée de débat, les 9 juges de la plus haute instance judiciaire du pays ont levé l'audience en soirée et renvoyé leur décision à vendredi après-midi. Pasteur Edo, combien est-ce que l'opposition zimbabwéenne incarnée par le jeune Nelson Chamisa ne rêve pas trop? Oui, ils ont droit. Personne ne peut leur interdire de rêver. Et d'autant plus que... Mais le rêve doit être réaliste. Oui, c'est réaliste. Le monde entier sait que l'élection, surtout le fait que le président sortant a pu gagner par 50,8. C'est le plus faible score d'un président au Zimbabwe. Tout porte à croire que
on a juste colmaté hein, les brèches pour que hein, pour qu'il soit pour qu'il ait au moins pour qu'il passe au moins la majorité enfin le 50%. Oui, pourquoi tout le monde préfère voir la chose de cette façon? Non mais naturellement il se peut parce que la ZANU-PF a un poids. Avec le vieux. Mm. Et surtout que le vieux aussi a donné des consignes de vote. Ça aussi, il faut pas l'ignorer. Mm. Maintenant, je crois quand même que le président Mnangagwa voulait prêter serment. Et que c'est la Cour suprême, justement, la haute cour, qui l'a arrêté parce que la Cour a estimé quand même que le recours de l'opposition est recevable. Mm. Et ceci étant, cela a pu repousser sa prestation. Et moi, je ne vois même pas l'annulation. Pourquoi il faut parler même de l'annulation si, après, s'il faut recompter les voix, après avoir étudier les recours, ben cela peut être possible qu'on passe au recomptage des voix. Et si tel est le cas, ça peut aussi avantager le candidat de l'opposition qui puisse l'emporter. Mais si, le pire des cas, s'il estime que il faut refaire le scrutin et annuler le scrutin comme on l'avait vu au Kenya, cela pourrait relancer la démocratie. Tant puisque les fraudes ont été massives selon l'opposition, on attend voir la décision de la pour pouvoir être situé. Mais je crois que c'est relancé. C'est bien que on a pu empêcher le président de prêter serment. Un scénario à la Kenyane, c'est possible au Zimbabwe? Ben, pourquoi pas, puisque dès lors que la haute cour de justice a demandé à annuler le serment que devait prêter le président déclaré vainqueur Mnangagwa. Donc, je crois que déjà, bon, on peut se dire que cette cour veut faire quelque chose de sérieux. Mais seulement les journalistes occidentaux, c'est surtout eux qui disent ouais, bon, la cour est aux ordres du pouvoir, donc c'est une petite comédie. Bon, c'est eux qui connaissent. C'est ce qu'on a aussi dit du Kenya, c'est ce qu'on a vu. Mais justement, c'est ce qu'on. Parce que. Est-ce que l'opposition, le jeune Nelson, a les éléments de preuve de la fraude? Au fait, c'est sur ça que la Cour doit travailler. C'est sur ça que la Cour doit statuer. Il ne sert à rien de venir dire, organiser une conférence de presse, dire que oui, à tel niveau, il y a eu, on a bourré des urnes, alors que tu n'as aucun élément de preuve à prouver qu'effectivement, si les urnes ont été bourrées ou non. Voilà l'autre challenge. Est-ce qu'il a ses moyens? Il a pu constituer des éléments de preuve pour vraiment convaincre la Cour de l'évidence de tout ce qu'il dénonce. C'est ça que nous devons attendre de voir parce que c'est vrai, il ne faut pas oublier que dans son parti, en tout temps, il y avait aussi des problèmes. Mmh. Puisque son choix avait créé des dissidences au sein après la mort de Tsvangirai. Donc ça a créé des dissidences. Donc il n'y avait pas aussi l'unanimité autour de lui. Donc ça aussi c'est un élément. Il est vrai aussi que chez le vieux crocodile Mnangagwa également, le vieux Bob aussi a donné des conseils pour voter contre lui. Bon, mais c'est que on attend de voir si véritablement l'autre, le jeune, a vraiment des preuves pour convaincre la Cour, surtout que le débat a été retransmis en direct. Mais ces avocats, je crois que les avocats l'ont déjà prouvé. Les avocats n'avaient pas vraiment des preuves matérielles pour justifier, je crois. C'est ce que les avocats du pouvoir ont essayé de démontrer, que non, qu'ils sont en train de raconter des histoires, mais il n'y a pas de preuves. Parce que lorsqu'on parle de bourras de d'urne, il faut que vous ayez une image ou quelque chose qui justifie que... Une image quand même qui a fait le tour des réseaux sociaux qui est très bizarre, c'est qu'on a vu le président Mnangagwa avec une photo avec la présidence de la commission électorale où elle était quasiment couchée sur le président comme il s'amourachait. Mais le même phénomène s'est passé également au Ghana. Vous vous rappelez que Mahama, on avait traité la présidente de la CENI d'être une copine à Mahama. Et on a sorti aussi des images. On a montré des photos. Comment Mama était avec la présidente de la CENI. Mais ça n'a pas empêché la présidente de la CENI de déclarer Nana Akufo-Addo vainqueur. Donc moi je crois que c'est des préjugés, c'est des choses que les gens cherchent à... Bon, l'opposition c'est vrai, c'est de bonne guerre. Il faut essayer de démontrer que bon, il y a acquaintance, donc
Bon, maintenant, la chose est devant le tribunal, devant la cour, de la haute cour. On attend de voir si le président de la haute cour et le président Gangoua aussi ont des photos compromettantes pour démontrer. Il y a aussi une chose qu'on oublie sans doute, c'est que la cour constitutionnelle statue à partir de faits et de preuves qu'on lui apporte. S'il n'y en a pas assez, elle ne peut pas vous déclarer en droit. Oui, vous savez, mais il y a un pas franchi lorsque cette cour a dit, attendez, parce que avant de prendre une telle décision, attendez aussi, on a eu à étudier quand même. On a eu à étudier. Sinon, ils auraient pu passer en force. Ils auraient pu passer en force. Prêter serment. Prêter serment. Donc, quand on parle d'éléments de preuve, les éléments de preuve, lorsque vous prenez par exemple un bureau de vote où le nombre d'inscrits est... Le nombre d'inscrits est inférieur au suffrage exprimé. Il y a problème. Je ne vois pas ce qu'on veut mettre dans preuve autre que ces chiffres-là. Quand on prend par exemple le vote à Lomé, on dit... À Lomé a... Bon, non, je donne un exemple. On est au Zimbabwe. Oui, je donne un exemple. Puisque je ne connais pas les villes, de... je vais donner un exemple. Boulayao, Boulayao. Je ne veux pas. Harare. Je n'ai pas encore parlé. Permettez-moi de faire l'économie de la prononciation. Je donne un exemple. Lorsque dans un bureau de vote A, on vous dit, il y a 15 inscrits, il y a 35 votants. Bureau de vote B, 15 inscrits, 35 votants. Bureau de vote C, 15 inscrits, 35 votants. Mais c'est quand même curieux que dans ces localités-là, les chiffres soient pareils. Ça peut arriver. Je n'ai pas dit que ça ne peut pas arriver. J'ai dit curieux. C'est curieux. Et puis l'avocat, pour apporter de l'eau à votre moulin, l'avocat du MDC, nous avons relevé 16 bureaux de vote dont les résultats sont parfaitement identiques. Le même nombre de votes, de voix pour Chamisa, le même nombre de voix pour Mnangagwa. Identique. Mais ça, ce n'est pas une preuve, ça. Mais il faut justifier à travers des bulletins. C'est-à-dire que, par exemple, voici, est-ce que dans ces urnes-là, dans ces urnes, est-ce qu'il y a manipulation? Il faut des éléments de preuve. Oui, mais attendez. On ne peut pas se baser sur juste ça parce que par hasard, c'est comme si on a collé seulement les suffrages. Bon, c'est ce qu'il tente de dire. Mais il peut avoir une coïncidence également. Je veux préciser qu'il ne faut pas minimiser le fait que le président, l'ancien président, le vieux Bob, a donné des consignes de vote. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'on n'a pas changé de système. C'est le même système, mais le vieux a été accompagné d'une façon donnée pour que son rival au sein du parti puisse venir prendre. Parce qu'entre-temps, il était en quelque sorte en exil. Et il est revenu prendre. Alors, quand vous voyez un vieux Bob et son ancien collaborateur qui savent pertinemment par quels moyens il passe pour que le vieux gagne les élections. Mais n'oubliez pas que lorsque ce vieux donne des consignes de vote et constate ce résultat, qu'il soit peut-être quelque part un sous-marin qui délégue. Ici, il y a des fraudes. Voilà. Et donc, c'est pour ça que vous allez comprendre que si c'était dans l'ancien système, la Cour constitutionnelle allait valider et on allait déjà prêter serment. Allait déclarer irrécevable. Donc, il y a ici quelque part ce que je peux appeler équilibrisme, sorte d'équilibrisme dans la ce que nous appelons dans le comment vous l'appelez les forces que détiennent les deux camps. Donc nous devons attendre maintenant voir si cette cour peut dire le droit, parce que il y a une chose, vous savez également que dans le droit, si par exemple ma femme est juge et j'ai commis une infraction, est-ce que vous savez que ma femme ne peut pas me juger? Elle doit se récuser. Ça, c'est aussi le droit. Et donc, si cette photo qu'on montre est avérée, mais figurez-vous que la dame doit forcément... Mais elle ne fait pas partie de la haute cour. Non, aujourd'hui, le dossier est au niveau de la haute cour. Nous sommes en train de parler de la manipulation des résultats. Non, la manipulation avant la haute cour. Oui, maintenant, la haute cour... Elle a le droit de regarder et voici véritablement. Mais là, par rapport au montage de voix, je ne suis pas totalement d'accord parce que recompter les voix, si on vous parle de bourrage dur, vous recomptez les voix. Vous allez trouver les mêmes choses. Alors, Pasteur Edo, Rodig a lâché un mot. La haute cour doit dire le droit. Je rappelle que peut-être, et puisque j'ai parlé tout à l'heure des preuves qu'on lui fournit, sur la base de ça, si éventuellement elle dit Mnangagwa a gagné, c'est aussi dire le droit. En réalité. Oui.
dit, mais ça va, mais c'est vrai. Si on le déclare gagnant, ben c'est que... Le droit n'est toujours pas vérité. Ouais, ouais, bon, voilà, justement. Mais ce qu'on peut dire, c'est que à cette allure-là, on sent quand même que même Mnangagwa n'est pas jusque-là, n'est pas à l'aise. Hein. Il se sent vraiment, il sait que il y a de périls à la demeure parce que à tout moment, cette haute cour-là voudrait prendre la hauteur. Ouais. La hauteur et déclarer les choses telles qu'elles devraient être. Le Kenya n'est pas loin de là. Le Kenya, ça peut faire jurisprudence. Le Kenya, ça n'avait rien donné. Jurisprudence. Bon, donc, je crois quand même que... D'abord, il faut quand même pour le moment féliciter la Cour d'avoir accepté étudier le recours. Et maintenant, qu'est-ce que cela va donner? On attend de voir. Mais quand même, dans ces élections-là, que ce soit les observateurs, ont relevé quand même des irrégularités qui sont fortes, hein, des irrégularités qui ont quand même balancé le score à l'avantage du président sortant. Donc, ça, c'est la problématique de l'organisation des élections. Justement, c'est la question que je voudrais poser à Dominique. Est-ce qu'il est possible d'organiser des élections en Afrique propre? Oui. Enfin, ça dépend. Ça peut être propre. Mais quand l'autre décide de crier à la fraude, ben, on peut faire comment? Je donne l'exemple du Ghana, par exemple. Les Togolais ont les gens l'impression qu'au Ghana, les élections se déroulent d'une manière nickel. Non. Mais c'est faux. Le Nana Addo, sa deuxième candidature, quand il était aux prises avec Mahama, mais il a crié aux fraudes massives dans le Volta. Et il a fait aussi également des recours. Mais entre-temps, la CENI a proclamé Mahama président. Il a prêté sa main, il a tout fait et le dossier était à l'étude devant la haute cour de justice qui, au finish, donnait raison à Nana Addo. Mais malheureusement, l'autre était déjà après fonction. Il a prêté sa main. Mais or, lorsque vous demandez, vous cherchez à savoir comment ça se passe là-bas, c'est que là-bas, ils arrivent à s'entendre. Oui. C'est-à-dire que les anciens présidents, lorsque ça ne commence pas à chauffer, ils appellent les candidats. Bon, ok, laisse l'autre. Bon, tu as dépensé combien pour ta campagne? Bon, tu le rembourses. Et puis bon, ok, la démocratie continue. On sauve le pays. On sauve le pays. Et on a l'impression que tout se passe là-bas d'une manière nickel. Vous savez, à chaque élection, il y a toujours le NDC. Ouais. Proche de Volta Regine, qui, bon, le NDC, c'est le parti de Jean-Louis, qui accuse le NPP, très implanté dans Ashanti, de fraude massive également. Ouais. Donc, ils s'accusent mutuellement. Et moi, je suis né à Barou, non loin de la frontière ghanéenne, et j'ai vu des cas où, à chaque fois qu'il y a élection, on vient chercher des gens à Balou, dans les fermes là, pour aller voter pour le NDC, ça c'est vrai. Et Ori revient souvent avec des coucoups, avec des roues, et puis avec. Non, pour aller voter pour le NDC. C'est le NDC qui est très implanté dans le Volta Regine, dans la zone. Maintenant, le MPP également dans la région Ashanti, il y a toujours, vous rappelez, élection Koufor. Vous rappelez Koufor et Atamils. Oui, Atamils, John Atamils. Mais Atamils a accusé Koufor qu'il a fraudé dans la chantilly. Et ça, on a traîné ça. Et puis à la fin, bon, on a proclamé Koufor président. Donc aujourd'hui, moi je dis, il est difficile. Même si aujourd'hui, vous prenez le cas des États-Unis où le vote est électronique et scientifique. Mais aujourd'hui, on accuse les Russes d'avoir manipulé ces résultats en faveur des républicains de Donald Trump. Donc, c'est dire que lorsque les élections, moi je crois que la fraude même fait partie des élections. Non, c'est vrai. Non. Ça fait partie. Parce que lorsque l'opposition aussi trouve des occasions pour frauder, elle n'hésite pas non plus. Moi, je me rappelle la dernière élection présidentielle dans la zone de Alo Togo ici, dans les zones de Port de Pêche et autres là. Mais ils ont chassé les militants de l'opposition, chassé les représentants de l'UNI. Oui, c'est une réalité. Ça, c'est quoi? On peut appeler ça comment? Dominique, on ne pense pas que c'est seulement le parti au pouvoir qui fraude et les autres sont nickel. Non. Aujourd'hui, si vous prenez ce qui se passe au Mali, c'est pratiquement la même chose. Il y a une différence. La différence, vous savez, la vérité, elle est bonne à dire. Il ne faut pas oublier la vérité. Moi, je n'aime pas du tout ça. Ce qui se passe au Ghana, vous voyez une CENI, la commission électorale,
unis de bout en bout jusqu'à la proclamation des résultats aussi frauduleux qu'on puisse les qualifier. Il n'y a pas une situation où on bunkerise un président dans une salle pour proclamer des chiffres qui ne tiennent pas. Permettez, c'est mon nom. Non, je sais que tu veux faire les gens à la dernière présidentielle. Attends, laisse-moi avancer. Mais là où tu n'es pas sérieux, c'est que celui qui est sorti de ce mercredi, notamment Pedro Amouzou, était là dans la salle. Il a choisi d'aller faire du bruit. C'est un choix. Ce que je dis, on a vu la même scène en Côte d'Ivoire où la CENI a été divisée sur les résultats. Et ça, ce sont des probabilités de fraude quelque part. Mais lorsque la CENI est unie de bout en bout, il y a du sérieux. Mais c'est les hommes. Non, ben non. Pour des intérêts, quelqu'un membre de la CENI peut décider de créer de la polémique. Moi, on ne peut pas dire quoi de l'autre. Vous avez votre bureau. Même aujourd'hui, la CENI technique n'est même remise en cause. Avant de prendre une décision, vous avez le débat. Oui. Il n'y a pas du tout unanimité sur la décision. Oui. Mais au finish, on s'accorde sur ce qu'il faut dire. Oui, mais c'est des gens qui ont de la hauteur. Mais quand il y a des bonnes arrières qui sont là, créer des histoires de bout en bout, qu'est-ce qu'on peut faire à cet effet? Rien. Non, vous savez. Et c'est le cas du Togo. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Et moi, j'ai réalisé une émission, j'ai animé une émission avec quelqu'un, et cette émission doit passer peut-être dans les jours qui viennent sur la gazette du Togo.com, sur ce qu'on peut appeler processus électoral. C'est de la publicité que vous faites, et c'est payant. Ce qu'on appelle processus électoral du Togo. Vous voyez, lorsque par exemple, de part et d'autre, ces situations se posent, il faut tout de suite appeler les choses par leur nom. C'est parce qu'il y a une défiance, parce qu'on n'a pas confiance dans ces institutions-là. Il y a aussi la mauvaise foi. Dans la plupart des pays. Oui, mais alors, vous touchez la confiance. Mais est-ce que la confiance est dans l'institution ou dans les personnes? Justement. Il est, pour le peuple, pour le peuple, on doit de l'institution, mais c'est fondamentalement ceux qui incarnent cette institution-là. Je reviens sur l'exemple toujours du Ghana tel que Dominique l'a donné. Nana Addo, il a confiance, il a déposé, il a fait son recours, il est resté là, et le droit a été dit. Il y a eu des conciliambules. C'est là ce qui est très important. Mais ici, lorsque les faits se produisent dans ce pays ou dans nos autres pays là, où on n'a pas confiance, parce que je vous dis, quelqu'un va vous dire, vous serez à la maison, quelqu'un va venir violer votre femme. Si vous portez plainte, on va vous condamner parce que vous n'avez pas remercié le violeur. La question de confiance. Quand il y a rupture de confiance, vous savez, l'effet, même autour de cette table, s'il faut voter, on n'aura jamais 50-50. Alors, parce que la confiance, elle a quitté les États francophones. Non, le Zimbabwe, ce n'est pas un État francophone. Hein? Oui, vous savez, les élections. Les États francophones. C'est vrai quand même que les élections dans les États francophones, depuis là, n'ont pas toujours. Parce que au moins au Zimbabwe, ils ont déposé un recours devant la haute cour. Ils n'ont pas dit que la haute cour est au bot, comme on le voit dans d'autres pays. On a confiance en aucune institution. Justement, c'est vrai que dans les pays francophones, ceux qui contestent souvent ne saisissent pas. Ne saisissent pas souvent. Mais quand on ne saisit pas, c'est dire que les institutions sont au bord du pouvoir, comme on le dit. Mais c'est vrai. Des fois, c'est vrai. Et souvent, c'est vrai. Alors, mais je crois quand même que nous devons quitter cette étape pour évoluer. Dans le cas du Zimbabwe, si Chamisa saisit, il doit aussi être prêt à se soumettre à la décision. Normalement. Il ne peut plus, il ne peut plus prendre la rue. Il est obligé de se soumettre. Vous allez voir ce qui va se passer. Il va prendre la rue. Il va se soumettre. Puisqu'il dit déjà, dans cette déclaration que la cour doit le proclamer. Oui. C'est ça aussi qui est bien. On ne peut pas le refuser non plus. Il va saisir une cour qui doit dire le droit. Tu demandes, tu dis au juge de te donner raison. De te proclamer, c'est vrai. C'est pour ça qu'il a fait. Écoutez, les éléments sont actifs pour qu'il a gagné. Et c'est ce qu'il attend.
C'est ce qu'il a. Au cas où les éléments que la Cour a ne le proclamait pas, ne le consacrait comme président. Donc, il va prendre la rue. Mmh. Alors, à quoi servir dans son recours? Tu as donné l'exemple de Nana Addo. Il avait quoi avant de faire le recours? Non, je t'ai dit qu'au Ghana, c'est des gens qui savent comprendre. Ils savent comprendre malgré les velléités de fraude. Ils savent comprendre. Ils n'ont pas, ils ne réagissent pas comme ici. Ici, on a bien cet Francis Pedro quitter la CENI et aller dans sa maison, se mettre à crier. Mais non. Il a proclamé des résultats au siège de la CENI. C'est au siège de la CENI. Ah non, tu n'as pas les images. Il était entouré. Il était entouré des membres de la CENI. Il était membre de la CENI. Ça fait partie de l'histoire du Togo. Je crois quand même que les élections. Mais tu n'as pas vu les membres de la CENI autour de ta table. J'ai l'impression que tu es des membres de la CENI. Mais non, tu m'as dit de te donner quelque chose. En matière de relève.